Allô tout le monde, voici Champion MMCL, on se retrouve pour un premier vlog. Eh ouais, ça me tentait de découvrir ce secteur d'activité. Pour mon premier vlog, je vais tout simplement parler d'un concert. Un concert de musique, vu que ma musique est une passion et je veux vous le faire découvrir. Vous faire partager ce que je fais. Il va être sous forme d'image, en plus que je parle. Ouais, moi c'est ma façon de faire mon vlog. On se retrouve. Vu que c'est mon premier vlog, j'ai décidé de commencer ça avec un concert que j'ai fait, que j'ai joué avec une harmonie, qui se nomme l'Orchestre d'harmonie Leonardo da Vinci, qui se trouve à Montréal, à Saint-Léonard, pour ceux qui se le demandent et qui viennent de Montréal ou des environs, peu importe. Au juste, s'il y en a qui se demandaient, tout simplement. Nous avons joué à Beauport. Beauport, c'est où? C'est un quartier à Québec. Puis Québec, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est probablement que bien du monde connaît ça, mais... qu'est-ce que c'est vraiment Québec? Voici les photos que je disais. Photos de, avec le bateau de Québec et l'emblème de Québec. Pas du Québec, mais de Québec, faut pas confondre. De Québec, c'est la ville en tant que telle, et du Québec, c'est la province. Mais je m'attarderai pas là-dessus. Sachez, à Québec, il y a aussi une parade hivernale, par contre, qui est la parade du Bonhomme Carnaval, si je me trompe pas. Oui, vous voyez l'image du Bonhomme Carnaval à Québec. Heureusement que c'est une statue, imaginez la journée qu'on a été là. Il faisait chaud, il y aurait eu bien chaud. Heureusement qu'on était que c'est une statue. Puis c'est pas très climatisé non plus. Puis vous voyez maintenant, on est passé aussi à côté du château Frontenac. Le célèbre château Frontenac de Québec. De la ville de Québec. J'ai jamais été honnêtement dedans, mais ça a l'air que c'est un hôtel. Ah ouais. Qui est à côté, qui est proche plutôt de la cité, la citadelle de Québec. Plus précisément. C'est autrefois, la citadelle de Québec était utilisée pour garder, puis surveiller pour pas que l'ennemi vienne. Je sais pas si ça a été utilisé durant la conquête. Pendant le changement d'empire, je suis pas sûr, ça a déjà été utilisé. Probablement que oui, mais ça c'est pas été utilisé totalement. Mais maintenant, c'est rendu moderne. Mais voici le concert. Là, vous allez voir un peu de plusieurs personnes de notre harmonie, mais vous allez me voir. Comme que vous pouvez voir, c'était une belle journée, comme que je disais, chaud, supportable quand même, pas trop chaud, pas trop d'humidité, c'est correct, c'était supportable la chaleur, ça a bien été, on a joué à plusieurs pièces d'été aussi, on a joué un arrangement de quelqu'un d'Alharmonie, qui est un clarinettiste justement, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça, sur musique clarinette, qui est Mario Galaxy 2. Eh ouais, j'ai joué cette pièce en concert. On a joué aussi Dixieland on Parade. Désolé, je suis pas sûr si je le prononce bien. On a joué aussi Amazing Grace, When the Saints Go Marching In. En gros, c'est da 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 da. Cette mélodie-là, mais plus difficile encore. On a joué aussi Tom Sawyer Suite. Ça a 5 mouvements. On a joué le premier mouvement. On a joué le quatrième mouvement, ainsi que le cinquième mouvement. On a joué aussi Deep River. Deep River, c'est la rivière profonde, si je me trompe pas. Nous avons aussi joué St. Louis Blues. On joue plus du Dixieland, du blues, à peu près ça.
on joue pas mal de dans ce coin là. On joue aussi Netuno. Netuno, je pense que bien que je vais vous le jouer en musique clarinette. On a commencé avec Just a Closer Work White Tree. Désolé pour mon anglais. Comme vous le savez bien, je ne suis pas très bon en anglais. La vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à donner le maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google+, car tout le monde est bienvenu. Bonne journée, bonne soirée. Merci à tous.